beaucoup d'expérience aussi. Attention à ce coup franc avec Steven Hall, le Sud-Africain, qui est lancé par Balu, qui s'écoule à une dizaine de mètres de la butte. Le ballon a été relevé par Anthony Hill. Liebenberg le libère. Balu va écarter sur Cech Dubois qui va aller marquer. Essai. Que dit M. Massimo? Il n'accorde pas l'essai. Il n'accorde pas l'essai. Il n'a pas dû aplatir Cech Dubois, mais une pénalité en faveur des Viterrois. Oui, pour des Agenais qui sont retrouvés hors jeu. On va voir le ralenti après. On va suivre d'abord ce que vont faire les Viterrois. Ils tentent. Donc on peut voir. Dubois a-t-il aplati ou pas, Philippe? On va regarder. Il manque 10 cm, hein, comme Abdel Benazi pour la demi-finale en Afrique du Sud en 95. On va pas commencer l'année en se rappelant des mauvais souvenirs. On va laisser plutôt Richard Hourt tenter cette pénalité facile. Il a bien vu M. Massiello qu'il n'y avait pas essai. Ça n'empêche pas Béziers d'ouvrir le score grâce à Richard Hourt. Béziers 3, Agen 0. Très bon début pour les joueurs locaux qui ont eu les ballons dans ces premières minutes.